Voilà, c'est parti. Alors, hop, bureau 1. Ça se trouve c'est pas top. Gagné. Madame Taro, il est de retour. Oui, c'est moi, arrête de spammer, putain, merde. Je fais un gros de truc. Premier bureau, tac. Récent, Amtaro. C'est ça que je veux. Voilà, c'est vrai. Ah, alors, où en étions-nous? J'avais bien 6, il m'en faut 16. Oh mon Dieu. J'ai une heure. Une heure pour faire 16 succès. Vais start le timer de mon côté au pire, hop. M split. Create. Voilà. J'ai un message privé, c'est qui? Non, c'est personne en fait. Alors. Est-ce qu'on voit le curseur en jeu? Bah non, je sais pas du coup. Bureau 1. Hop. Ah merde, je vais te foutre le chat. Attends, j'ai le chat? Oui, c'est bon, j'ai le chat. Golden Boy. Ok, et ben. À la une. À la deux. Putain, j'ai pas envie. À la trois. Alors. Je sais même plus où on en était. D'accord, je n'ai pas encore clair le niveau. Il m'en manque 3. Ah. Eh ben voilà! Paf! 45 secondes pour en avoir un! Attends, quoi? Ce mongolo était sur sa graine depuis tout ce temps. Bravo! Mon Dieu. Oh, Thug Life.
Dis, est-ce que tu me laisses retourner à Sunflower Park pour finir 2-3 trucs ou pas? Attends, je mets le timer en pause. Est-ce qu'on me laisse retourner à Sunflower Park? Wow! Oula! 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 Ok, bah merci. Je suis parti sans le vouloir, oui et non. Étant donné que quand je fais la mission de base, ça me fait le niveau. C'est bon, j'ai fini le niveau là. Merde. Hop, le timer. Voilà. Alors, je vais rester 10 secondes comme ça. Voilà. J'ai un peu triché. Ah, je suis un thug, moi. Ouais, mais là, par exemple, le truc secondaire, bah, fallait que je finisse le niveau. Ah, il est pas shiny. Ah bah non en fait. Merde. OK. Merde, je me suis foiré. C'était où déjà qu'il fallait monter? Je m'en souviens plus. Mon Dieu. T'es nul, t'as raté, chute toi. C'est-à-dire que là-bas, je voulais streamer demain. Bah, en fait, non. Parce que finalement, ça a été et tout. Voilà. Non, même pas, c'était le deuxième. Et de 8. Ça se voit que c'est pas Prince of Persia, là, en même pas 6 minutes, j'ai fait de succès. Ah,
C'est aussi une fin de niveau, du coup. Ah bah ça fonctionne. Il n'y a pas la cam, donc pas de placement de produit. C'est bien. 4 fois, t'es mignon. Oh, il est mignon, 4 fois. Ok, donc il y a Dexter à un marché. Ah bah ici, du coup. Pas pour tout de suite, d'accord. D'accord. Ça sert à rien. Génial. D'accord. Merde. Merde. J'ai dit bonjour à un petit caillou. Je suis Saint-Esprit. D'accord. Donc chaque rocher vaut 3 grammes. 33 pour 99, il me faut 34. Barons-nous. Il y en a à l'école. Des ruines. Mon Dieu, t'approches pas de moi. Je vais prendre le reste pas lui là. Tiens. Merde. Paf. C'est bon, il m'a laissé passer. C'est quoi cette couille mode lave là?
D'accord, ici je peux passer mais pas de l'autre côté. Narmol, oui. Ok, donc je viens d'avoir Pokéfion là, hein, Chenipan qui voulait en crise acier, puis en Papillusion, comme ça. Boutique HM. Mon dieu, c'est HM. Pour ça que ça a de prix. Du coup, là, ça fait trois fois que je regarde les. Oula. Trois fois que je regarde. Alors. Systemtarot.com. Ok. C'est un peu, même pas besoin d'XP, hein. Ham swap. Tu le sens l'escroc là? Comme Sadri dans Skyrim. Mais non, j'ai rien volé du tout. Paquet hamster. Vas-y, hein. Je vais me faire arnaquer, putain. Oh la baise! Oh la baiserie moldave! Ah mais complètement baisé là! De neuf.
Alors lui, il a plus de trop. Ah, ta! Mon Dieu. Direct, comme ça? Dans aucune mission? Oh le foutage de gueule! Même pas de succès, ah si! Et de 10. Ah merde, du coup. Ça sent toujours. Ah, ça sent plus. Suis ramené ici. Hop, tac, voilà. Bon bah. Next. Oh, c'est un ninja! Putain, ce sont des ninjas en fait! Wow, ce flip table. Je t'apprends le respect, moi, connard. Ah, bordel de cul. Bon bah s'il vient de cracher, ok. Ah non, j'étais en train de... Bah va te faire foutre. Et merde. D'accord, en fait, tu peux totalement les farmer, quoi.
Oh merde. On peut même pas gruger ni rien. C'est Hercule. C'est Monsieur Satan. Bon, plus que 12. Oups. Mais c'est pire que GTA à ce jeu. Il est violent ce jeu. Putain, c'est un tarot quoi. Putain, mais oh le coq bloc! Oh là là! Un peu qu'ils sont violents. Ton orthographe aussi l'est. Quoi, je suis ma gueule, ça fait déjà 25 minutes! Oh mon dieu! Oh mon dieu!
Tac! Oups. Si tu le dis. Tu as dégagé Fissa? Dessus. Oh là là.
Bah, tu me laisses passer? Mais laisse-moi passer! Bon, 26 minutes pour finir. Mais laisse-moi passer, Ndaku. Oh là là. Oh, le PNJ qui sert à rien. Thank you.
te rends compte que je suis coincé dans un jeu à me tarot, hein. Ah, ça se trouve, en fait, je suis obligé de retourner dans les anciens niveaux, hein. Ah. D'accord, et en fait, je suis obligé. Je peux tellement farmer en fait. Et de 12. Bon, on a 19 minutes pour faire 10 succès. Je vais jamais réussir. Quoi NN non, quoi non. Quoi non. Ouais non, je vais pas y arriver. Hein.
Je veux dire là, autant abandonner quoi, parce que là, je peux pas les faire là. C'est mort. C'est mort. Oh bordel. Ben, pause reset hein, du coup. 42 minutes 50 pour faire 6 succès. Bof quoi. C'est mort. J'ai un gage. J'ai un gage. J'ai un beau petit gage. Oh putain. Bon. Alors, Twitter. Ah, bah oui. C'est Twitter qui va décider. Alors, n'ayant... Merde. Pas réussi à faire 50%. En 3 heures. Vous me... Foutez un gage. Qui est le jeu de votre choix? Sur Retro Achievements.org. Du coup, là, je vais pas faire un autre Golden Boy. Bon, hop, ça part toi. À la place, j'avais envie de faire un autre truc. C'est pas continuer FF4. Il faut ça, du coup. Oui, un gage. Propriété. Alors. Sortir quand Second 3. Second Descent sous 3. Alors, il sortit quand? Il sortit en 95. Voilà. Du coup, merde. Dashboard. Bah oui, faut que je fasse ici. Et en plus, drop de frame en masse là en plus. Second 10 c'est sous 3. Mettre à jour. Paf! Voilà. Bureau 1. Ah! Il y a des achievements, merde. Ah merde. Il y a des achievements, merde, je peux pas. pas cet ému-là alors.
19x. Tac. Load games. SNES. CK3. Ah, mais attends. Du coup. Tac. Bureau 1, voilà. Émulation. Merde. Densetsu 3. Alors, stéréo. Alors, qui je prends? Qui je prends? Qui je prends? Bon, bah je prends qui je veux du coup. S'il te plaît, mets-moi le vrai nom quoi. Voilà, ensuite. Je vais prendre lui. Et Cardi pour le heal. Donc, Seiken Densetsu 3. Ah bah des bisous, faut se jouer du coup. Des bisous. Donc Seiken 3 qui est en gros Secret of Mana 2. 6 persos, 6 histoires différentes, juste pour le prologue. Moult teams possibles. Et là on va prendre la princesse de Roland, leader de l'armée des Amazones, Lise, enfin Riz de son vrai nom. C'est parti. Alors c'est pas du tout comme comme Secret of Mana. La vie, ce bâtard. Donc la jauge du milieu, c'est une jauge de super. J'appuie sur B pour lancer la super. 6 à miss, je l'ai toujours.
Sinon, ben, quand je hit, ça fera 0. J'attaque avec A, je me déplace avec les flèches, forcément. Mais il meurt jamais? J'en sais pas le combat en fait. En haut du portrait, forcément, tout en haut, c'est les HP. Le level, bah, c'est le niveau, forcément. Les MP, c'est les points de magie. Ah mais non, fallait bien que je le tue. Oh, le sac à PV. Et le petit 1 à côté, c'est parce que c'est le joueur. Qui est jouable à 3. Mais ça sert vraiment, sur mon PC, on pourrait jouer à 3. Oui, étant donné que c'est une Amazone du vent, donc elle peut comprendre le vent, évidemment. La zone montagneuse de Roland. Ah ouais! The high wind and treacherous cliffs provide a powerful natural defense. And with a powerful Amazon army as well, Roland became known as a castle that never fell. Et comme par hasard, il va tomber sous le joug de l'ennemi dans les 10 minutes qui vont suivre. Alors, Tron Elliot. Alors, ok, on dash avec B, du coup. Chaque B, on parle avec A, forcément. Le pire. I cannot see with my eyes, but I should be able to know by his spirit traces. Hold on. He hasn't gone far. Ah, c'est très bon. He's probably somewhere in the castle, but. Ok, c'est un petit peu. Pourtant, c'est une princesse, c'est normal. Je pense que ça doit être ma chambre, ça, du coup. Je vais peut-être pioncer pour récupérer les HP. Ah, je peux pas, ok. Je ne peux point. Elle dépose ses godasses quand même. Évidemment que je sauve. Game saved. Eh ouais mon gars. C'est Ken 3 que j'ai commencé sur ma 3DS. Oui, c'est ça, il monte l'escalier. Donc oui, j'ai commencé sur la 3DS avec le Mbo Channel et tout, mais maintenant j'ai plus accès, ça me fait chier. C'est vrai que j'aimerais bien faire beaucoup de jeux. Chambre d'Eliott, d'accord. La pub, puis le dash aussi, hein. Tu cours plus dans une seule direction, mais là, tu veux vraiment te diriger. Il y a quel jeu, Eliott, du coup?
Ah dommage, il n'y aura pas Pascal le grand frère hein, du coup. Parce qu'il y a encore le daron. Mon Dieu. Voilà. Comme on va le kidnapper. Jeune innocent. Jeune innocent bête. Par contre, c'est vrai que Oxido a raison. Le jeu est quand même beaucoup plus beau. Hein. Le jeu est vraiment plus beau. Bien plus coloré. Alors oui, les statues d'or qui restaurent les HP et MP, plus de sauvegarder. Et il me semble que les statues argentées ne font que sauvegarder. Oh le con! Qu'est-ce que je disais? Elliot, c'est Edward en fait. La patate de forain. Qu'est-ce que je disais en 10 minutes, le château est tombé. Ah bah Nuclear Fusion, la musique du boss. Ah ouais quand même. Oh la vache, direct. Nuclear Fusion. La map où je suis premier nation sur Osu d'ailleurs. Hein. Comment t'appelles ça du jeu? Alors. Tac. Ah oui, le fameux storage. Puis évidemment, c'est comme ce Cat of Mana, donc forcément. Je n'ai pas la roue. Select. Ah, c'est pour le menu de pause. Luna ombre, l'inventaire, la fenêtre. Ça, je fasse ça plus tard pour les techs.
Alors? Pourtant, pour changer les commandes. Ça fait presque Joestar. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Est-ce qu'il y aurait une influence Jojo là-dedans? Ah, forcément, le mana. Et il mourut de décès. Gros garde aussi quand même. J'ai envie de dire, Riz aurait pu réactiver la barrière de vent aussi. Si un gamin comme Elliot sait comment faut faire, Riz aussi. Faut pas déconner. Ah, Wendell. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Elliot va devenir un boss dans le jeu. Cette musique, elle me dit quelque chose, j'ai l'impression. Je crois que c'est les crédits. La musique des crédits de Secret of Mana. Seiken 2, du coup. Ben City 3. Voilà, fin du jeu. Merci d'avoir regardé. Ciao. Ouais, c'est bizarre d'avoir le l'équipe maintenant. Oh, j'aurais de garder ça pour la fin, quoi. C'est bizarre. Ah, le mode 7 de la SNES. Ce qui dit que c'est moche, je lui mets une patate de forain. Casse Jade. Bah tiens. Les bismen. Je suis pas avec eux, je ressemble à une bête. Connasse. Est-ce que j'ai du fric?
Ah, contrôle. Menu screen, les commandes. Ah, leader change. D'accord. J'ai rien apparemment. Est-ce que j'ai de l'argent? Ah. Oui. Ah bordel. Voilà. Là, je comprends pas pourquoi ils ont pas release Saiken 3 chez nous. Tandis que Secret of Mana a vraiment marché en Europe et tout. Ah. C'est qui? C'est Hawk? D'accord. Vraiment en ligne. C'est Hawk, c'est vraiment un sprite plutôt féminin. Luna's Day. Sur les environs. Ouais, si tu étais plus jeune, c'est pas le cas. D'accord. Tellement la merde. C'est un kid. Non, j'essaie de pas combattre. Non. Ça sert à rien ici, ce que c'est. Oh, tu sais quoi, fight. What? Oh la patate. Waouh. Oh la patate. Je pensais que j'avais moyen pour essayer de combattre. Ah, Salamando. Salamando qui est Atanor. Mon esprit préféré de Secret of Mana d'ailleurs. Tellement goldé. Bon bah du coup on va se diriger en haut. Waouh. Hey, mais ils sont partout en fait. Putain, moi je suis juste à la Wendel quoi. Putain, foutez-moi la paix. Cassez-vous. Bon bah en nous hein.
Bon. Peut-être aller dans le bar pour saouler un coup la gueule, mais bon. Elle aussi, du coup. D'accord. J'attends la nuit. Attendons la nuit. Attends le vieux. C'est un quel qu'on pourrait tuer les NPC? Je crois que c'est bah, dans le premier Seiken. Point Seiken. Salamandos Day. Yep. Sans, je sais pas quoi rime tous ces par rapport à Salamando, enfin aux esprits. Peut-être la puissance. Paf. Victory. Ah. Vivid Forest. Les rabbits, oui. Lapinou se fait rosser. Oh. Que j'en ai ça moi. Quand c'est Victory, je n'ai plus de monstres dans la zone. Ah ben un coffre. Puis grass, yes. Oui d'ailleurs les coffres, hein, parlons-en. Niveau rareté, voilà. Sur Village Astoria. Rusty Wendell. Ouais, c'est le à Wendell. Avant, j'ai Astoria. Voilà. Ok, donc les bismen n'ont pas encore pris d'assaut. J'ai une auberge, j'ai un magasin d'objets. Bah s'ils viennent ici, vous êtes tous morts quoi. Rabbit. Event sur FFRK. Oh super. Super. Un petit event pendant 2 semaines. Ah, je vois farmer et tout. Ah oui, c'est vrai. Ils ont ajouté FF11. Montant attendu de FF11, aka le pire FF de l'histoire. M13 est mieux.
Arcane découé. Capacité de soutien affiche concernant ce dégât. Prochaine mise à jour mi-juillet. D'accord. Oui, je suis en train de regarder un peu FFRK. En même temps. Je me permets. Final Fantasy Record Anthology. Ah, je peux farmer. Youpi. Le farming est à portée. Ok, revenons ici au jour. Ok. Ah merde, j'espère que j'ai assez de pognon du coup. Merde. J'ai pas assez. Oui. Je n'ai pas assez. Fichtre. Diantre. Diantre cul. Et merde. On dirait que je pourrais vendre un bonbon, mais bon. Ah si, il y a un magasin d'armes. Oh. Welcome. 95 lucs. Pour monter mon attaque de 5. Ah, il me faut. Il me la faut. Parce que le boss, je l'ai vu, il est pas gratuit. Hein. Le premier boss, il est pas gratuit du tout. Above the lake. Ok, barre aussi. Je l'ai dit, vous êtes tous morts. Barre-toi le vieux. Toujours en stream. Toujours en stream. D'accord. On est là-bas. Non, par là du coup. Aïe. Victoire. Merde, faut vraiment que je reste jusqu'à la fin. Non. Eh merde. Tout le monde, okay. C'est donc toi, l'abricot tout chaud. Pas de coffre. Putain, mais Oxydo, il est masse coffre lui, c'est pas juste. Remboursé. Ah. Oui, je vais sauvegarder. Forêt des lapins. Oh, gros pathfinding. Y'a que son qui stream. Ah, un coffre. Round drop. Au storage. Du coup. D'ailleurs, profitez-en, il y a Outdoor Mega à 10 centimes sur le Play Store. Excellent jeu. Petit roguelike et tout. Très très bon roguelike, moi je vous conseille. C'est un FTL avec plus d'exploration et sans combat. Swinging. Okay.
Stomming. Ah bon, allez. Je vois ma maison d'ici. Et paye ta mort. Ou pas. Putain. C'est de moult kilomètres, mais pas un pet. Encore un. Ah, voilà le level up et vous décidez de ce que vous mettez. Donc la force, hein, je peux faire un dessin. La force augmente les dégâts. Hein. L'agilité, je crois que ça augmente. La dextérité, je crois que ça augmente le taux d'esquive. Et peut-être les critiques. La vitalité augmente la défense et les points de vie. L'intelligence augmente les MP. Esprit augmente les dégâts magiques et la luck augmente la chance. Partir sur une petite force en plus. Et on ne récupère pas ses HP quand on level up, d'accord. Ce petit triple miss. Ah, un coffre. Ah voilà, justement j'en ai parlé. Parfois dans les coffres vous avez ceci. Et... Smoke. Voilà. Donc si vous tombez sur OK, rien n'arrive. Sinon c'est un piège. En plus d'avoir l'item. Ou rien, même. Ça arrive de rien avoir. Ah bah il fait jour. Attaquer, bordel de cul. Il fait jour debout. Ah, un coffre. Non? Ah non. Bon, il fait jour. Soigner. Ah. Les fameuses alertes de bas de vie. Mais ce n'est pas un souci. Hop, voilà. Ah bah non, j'ai 10 MP, d'accord. Paf. Eh oui. Paf. Donc ils ont minimum 42 vies. Bah, c'était la nuit, mais moi j'ai rien vu. Qu'est-ce que tu fous là? T'es déjà au village de base, Mongolo. Vous allez me dire, mais est-ce que je peux fuir les combats? Oui, on peut. Ah, voilà.